bonjour sur une nouvelle vidéo. Donc ce sera une vidéo débutant en équitation, quel matériel à prendre. Donc là je vais pas vraiment prendre tous les matériels ou matos à prendre, je vais juste vous le dire comme ça. Donc voilà, j'espère que la vidéo d'avant, donc que j'ai postée mercredi, vous a plu. Voilà, j'ai eu un petit bug, ce que j'ai pas dit en vidéo, mais j'ai eu un petit bug en fait. J'arrivais pas à transférer de mon ordinateur à ma tablette. Voilà, normalement j'arrive par Instagram, mais là les vidéos ça ne fonctionnait pas. J'ai essayé même ma tablette, de l'ordi à ma tablette, mais ça a vécu, enfin voilà, j'ai persévéré. Et voilà, donc je suis désolée pour la qualité, pour des fois ça bougeait, et aussi bah, des fois vraiment ma caméra, donc ma vraie photo, je bougeais un peu. Mais voilà, donc j'espère que ça vous a quand même plu. Voilà, j'ai pas tout filmé et j'ai pas tout mis non plus, donc voilà, mais j'espère que ça vous a plu. Donc on va commencer tout de suite. Alors premièrement, quand vous débutez en équitation et que vous êtes pas sûr de continuer, ne prenez pas tout, voilà. Donc voilà, donc on va commencer d'abord avec le pantalon d'équitation. Donc le pantalon d'équitation, je pense que c'est ce qui est le plus logique à acheter quand même. Voilà, pantalon d'équitation, voilà. Donc je vais peut-être vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà. Donc c'est tout simplement, voilà, comme ça. De toute façon, vous avez vu dans ma vidéo présentation de mes élèves d'équitation. Bref, donc voilà, un pantalon d'équitation. Bon, le polo d'équitation, c'est pas obligé de prendre un polo d'équitation, mais voilà, mettez un t-shirt et c'est bon. Une veste non plus, voilà, c'est pas non plus. Sinon, très important, une bombe, casque, voilà. Même si, c'est vrai que les clubs en donnent souvent, en prêtent souvent. Voilà, si vous continuez, si vous êtes sûr que là vous n'allez pas vraiment vous arrêter, vous allez continuer, prenez, parce que si vous restez 3 ans avec une bombe, voilà, déjà il faut trouver à chaque fois sa taille, parce que des fois elle est prise. Puis bon, l'hygiène, voilà. Je pense qu'on a tous compris pourquoi. Ensuite, des bottes d'équitation ou des boots. Donc là, j'ai mes chaps. Je les ai mises aujourd'hui parce que j'ai pété mes bottes. Voilà, ça c'est prendre trop les piquets. C'est super. Voilà, donc des bottes ou des boots avec des chaps ou des boots toutes seules. Voilà. Donc quand ils font des glaces, c'est mieux d'avoir des chaps. Donc voilà. Après, une cravache, il est prête aussi. Enfin, ici, nous, on est prête. Donc voilà. Bon, elles sont un peu débrouillées. Enfin, voilà, on sait pas d'où elles sortent parce que des fois, il y a plus de boue, il y a plus, presque plus de tissu. Mais bon. Donc voilà. Donc, ça, c'est plus ou moins fini pour. Après, vous pouvez prendre un gel protection. C'est vrai que nous. Ici, aux écuries, quand on commence, on est obligé d'avoir ça. Mais sinon, voilà. Donc, voilà. Mais bon, c'est quand même un investissement. Comme j'ai dit. Un licol, ils sont souvent traités là-bas. Il y en a souvent beaucoup. Tapis, tout ça. Voilà, ça, c'est vraiment quand vous montez le niveau, vous êtes sûr. La boîte de rinçage, même chose. Même s'il y a des brosses, voilà. Il y a des brosses, donc vous n'êtes pas obligé, mais voilà, moi, bon, il y a nécessaire dedans. Là, je vais peut-être pas vous les montrer parce qu'il y a plein de poils, comme j'ai monté aujourd'hui Quiche, que vous avez sûrement vu. Voilà, c'était un cheval de propriétaire, en fait. Mais qui, que des fois, on le montre, donc c'était super. Bref, je ferme cette parenthèse, donc voilà. Sinon, autre chose. Sinon, je pense que c'était vraiment, voilà, des gants d'équitation, peut-être, pour l'hiver, pour le même été, pourquoi pas, sinon, je me mets comme des cloches. Voilà, sinon, je pense que c'est plus ou moins tout. Voilà, il n'y a pas vraiment non plus grand-chose. Quand vous commencez l'équitation, vraiment, le premier jour, vous allez dire, ah, oh, demain, je commence l'équitation, voilà, enfin, cette semaine, je commence l'équitation, voilà. Quand je m'achète des trucs, il faut vraiment pas non plus trop de trucs. Voilà. Moi, personnellement, je ne conseille pas d'avoir une selle quand on est débutant. Pourquoi? Déjà, les selles, ben, vous changez souvent de chevaux. Logiquement, vous n'avez pas votre cheval à votre niveau. Ceux-ci, vos parents sont dedans.
Mais vous, ça veut dire quand même que vous êtes très jeune, parce que souvent quand on est dans, on commence plus jeune. Alors, bref, c'est pas une généralité, hein, mais voilà. Mais voilà, si vos parents sont pas dedans, que vous commencez et que vous prenez une selle, moi personnellement je suis un peu contre. Voilà, ça fait pour ça que je vais dire non, je peux pas, enfin voilà, mais moi je suis personnellement contre parce qu'on échange à chaque fois des poneys, ils sont pas vraiment tout le temps adaptés. Donc voilà, même si c'est pour votre confort, le confort du cheval compte aussi. Donc voilà, même chose pour le bruit et tout ça, pour que ça fait beaucoup, tout ça. Bon. Voilà, on va pas faire un débat, mais voilà, moi je ne conseille pas du tout. En plus, une selle synthétique, ça va, c'est 200 euros, je sais plus. C'est chez Fugenzer, voilà, c'est dans les 100 et quelques euros. Une cuir, c'est plus, c'est dans les 200 et quelques euros, je pense, chez Fugenzer. Après, quand on passe sur des Eric Thomas, Wintech, intéresse tout ce que vous voulez, ça peut augmenter vraiment très très fort. Les 2000 euros, voilà, ou plus. Donc voilà, je vous conseille pas du tout. Directement très très cher non plus dans vos équitations. Voilà, moi mes bottes, c'est parce que à chaque fois je me prenais les poteaux à chaque fois au trot. Maintenant ça va mieux, mais voilà, donc elles sont pétées pour ça. Donc, mais sinon, elles m'ont tenu, ça fait longtemps que je les ai, donc voilà, c'est comme elles ont pété. Bref, donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve dans une nouvelle vidéo.